Donc ici, on produit des lingots. Ensuite, les lingots, ils vont aller là-dedans. C'est ce qu'on faisait. On était en plein World Tour. Les inputs sont aériens. Là, de toute façon, on va rentrer probablement dans un mur. Ah, il y a que deux inputs. Ok. Je regarde juste comment bien faire les choses. On est sur cette hauteur là. De quelle on rentre? Ah oui, merde, je suis en démantelant plan. On va dire, à chaque fois, je préfère partir d'en bas parce que sinon, c'est pas aligné sur la grid. Ouais, je l'ai pas mis dans le bon sens celui-là, évidemment. Alors, est-ce que ça marche? Je me méfie tout le temps. Ouais. J'ai pas l'impression que ça marche, hein. Ça, c'est un truc qui est chiant, c'est une mécanique, on peut les placer dessus, mais ça connecte pas bien après. Ah, maintenant ça marche. Bon bah voilà, on a du fil actif. Non, une fois posé, tu peux pas les rotate. On a du fil actif de partout, c'est good. Alors, faut juste... Il fallait qu'on rajoute... Et qu'on fasse la ligne à 10 au milieu et deux lignes à 7. Oh, dites pas que ça colle. Oh. Ça colle pas. Ah, par contre, ici, j'ai comme un petit doute. Fuck. Oh, si, ça peut... Oh, ça rentre! Que la machine est à moitié dans le mur. Mais ça passe! Ah, ceci dit, c'est pas... Attends. Oui, c'est en extérieur qu'on a besoin, ouais, c'est ça. Wait. Ça l'a pas aligné correctement. Attendez. Ok. On s'est fait eu. Pourquoi autant de fil actif? On en a besoin beaucoup pour produire... Après, parce que j'utilise des recettes aussi annexes. Mais en gros, cette usine va produire des ordi, mais aussi des circuits de bord et compagnie, quoi.
On peut pas mettre comme ça. Si on peut. Pendu. Je suppose que je suis du mauvais côté niveau fil. Ah non, 6 sur 7. Ça marche là, mais ici il doit être à 7 celui-là. Il est interconnecté. Et ouais, 7 sur 7. Bah on va mettre un... MK3. Merci Pramfaya. Ah, la pub Carglass. Est-ce que Carglass répare et remplace? Telle est la question. Donc ça, c'est nos fameuses deux lignes à 7. Bah. Ah, merde! Attendez, wait. Ah si, si, attends. Si, ça, c'est la porte, ça. J'ai mis ça dans le bon sens. Alors, au bout d'un moment, tu sais plus dans quel sens sont les choses. Merci FireMat. Bah ça va, tranquille. On fait des usines à moteur. Vroom. Ok, c'est alimenté. J'alimente celle-là. Ça arrive pas encore parce que c'est en train de buffer ici. Pas tarder à arriver. Ouais, c'est bon. Ok, faut faire les sorties maintenant. Ok, c'est bon. Alors, ceci dit, dans les 7, il me faut une ligne à 400. 2 heures, c'est tout, ça va. Une ligne à... Ça produit 60, hein. Une ligne à 400, une ligne à 420. Donc, c'est 6,66. Faut que je le mette à 40 de prod, lui. Là, pour le coup, on va les aligner un peu mieux. Parce qu'on a pas besoin d'avoir des quick wire en plus. Et... Ceci dit, on produit un peu plus de Caterium, mais c'est pas suffisant. Et l'autre, c'est 420, et ça se divise bien par 60, 420. Ouais. L'autre, c'est 7, et le dernier, c'est 600, donc c'est 10, ok. Si bien, mais j'ai trop joué pendant les multiples updates. Et ouais, c'est pour ça que moi je me suis. J'ai pas trop joué quand il y avait les updates au fur et à mesure. Parce que. Justement, je voulais. Découvrir une fois qu'il sortirait complètement, quoi. Bon, on a fait notre quick wire. Let's go. Maintenant. Faut qu'on fasse notre silice. Donc on a le quartz. On va le faire ici, le silice, d'ailleurs. Je me demande si on pourrait pas relier au niveau d'un câble, que ce soit mieux.
Enfin, je sais pas. J'aime pas quand c'est au mieux comme ça, bref. Alors, il nous faut de la limestone. Il y en a là-bas. Bon, hein. Ça c'est quoi? C'est une note pure et ça c'est une note impure. On va prendre la note pure. Il m'en faut... Ah, c'est combien au max? 480, ça c'est good. Oh, ça peut... Il faut rester cadet. Et où est la limestone? Non, non. Et là-dessus. Ouais, l'alignement, on s'en fout, à part des beaux virages. Toujours bizarre, elles sont en hauteur. Après, ils... Ouais, là ils le font, mais... Bon, c'est pas grave. 240. Ah, c'est bon. 480, ouais. Hop, on a un peu plus. Il y a une technique pour aligner les... Ah mais là elle m'a l'air alignée. En vrai j'ai envie de faire des... Les fondations plus hautes parce que... Ce sera plus simple. Ah bah du coup elle trouve plus le gisement. Ah ouais, on peut pas mettre si haut que ça. Des 1 mètre ça suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il branle? Il m'a mis les 1 mètre dans les... Mais... Arrête de... Allô? Ouais, ok, là c'est bon. Snap grid, des fois, est complexe. Ok. On ramène ça là-bas. Un peu de déforestation. Ok, ok, ça passe. On a une belle route ici, hein. Ouais, on va arriver à un bon endroit, c'est bon. On arrive là, derrière. Ok. Bon. Ah, faut qu'on le fasse avec des assembleurs, il en faut 12. On peut faire 2 fois 6. Ça rentre. J'ai l'impression que ça rentre. Peut-être faire une centrale plutôt. On voit rien, c'est la nuit. C'est la nuit sombre. Waouh. Je veux continuer mon virage. Je
des petites demi... Bon, on mettra les demi-grid après. Je suis en zoop. Voilà, Goudenouf. David Goudenouf, évidemment. Je reviens, je vais juste aider ma femme à remonter les courses. On risque rien ici. La déforestation, la grenade dans Factory, oh putain, ouais. Après, c'était au lance-flamme, je crois. Je sais plus. Mais la grenade, quelle vie. Ça a recommencé il y a un mois. Bon, en vrai, là, c'est quasiment sorti. Ouais, mais il aurait fallu attendre la sortie, effectivement. Ça aurait été mieux. Bon, on a dit. C'est quoi le centre ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est nul. En fait, j'aurais pas dû allonger de 1. Bon, c'est pas grave. Ça prend combien ces trucs? Donc le centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va mettre 3 d'un côté. Non, on va faire ça. 2. Ah, on va faire sur des demi. Attendez bien. Je vais faire une blueprint, quoique non. Pas besoin de blueprint parce que. Pas qu'une seule à faire. Putain, tu vois, ça me... Ah si, c'est bon. Si je la fais comme ça, c'est bon. On n'avait pas dit que l'input était... Oui. On a totalement dit ça. L'input était au centre. Quoique... Ah si, c'est mieux. Il m'en faut combien? 12. Là-bas. Oui, donc ça va nous produire
Putain, mais elle va être big cette usine, bordel de merde. Parce que derrière, il faut que je mette encore 13 assembleurs, 20 raffineries, 24 constructeurs. Dame. Ah non, les 24 constructeurs, on les a mis, c'est bon. Enfin, surtout les raffineries. En fait, c'est sûr, recommencer de zéro, ouais, faut avoir la motivation, quoi. Je suis bien d'accord. Donc là, Alternate Chip Silica. Voilà. Faisons du silice bon marché. Ok, ça va être la giga éclate. En vrai, le quartz arrive d'un côté et le 6 de l'autre. La limestone de l'autre. On a dit les inputs étaient aériens. On va faire 3 et 4. Non, les inputs étaient au sol. Ah, je sais plus. Non, les inputs sont aériens. Regarde de où t'as trouvé comment faire mes usines. Quand je dis ça, c'est par là. Le... Ah, tu veux dire avoir la place? Qu'est-ce... Quand tu dis tu galères de ouf. C'est pas le bon, j'utilise un groupeur. Bien vu. Après, c'est pas gênant, on va supprimer que... Il aurait fallu qu'ils aient deux... Il aurait fallu qu'ils aient deux designs différents. Voilà, un split. Merci. Bah, en fait, c'est pour ça que je conseille toujours de bien explorer au début. Pour pas se faire avoir. Mais ensuite, bah, tu peux... Moi, j'aime bien faire des usines par thème. A savoir que bah, j'ai fait... bon, hormis l'usine de base, je t'avoue, t'essayes de produire les éléments de base et t'essayes de tout regrouper. Et ça, tous les spots qu'il y a, t'as toujours la place. Moi, j'ai choisi celui où il y a le moins de place au début, qui est celui de la forêt. C'est vrai que t'as pas beaucoup de place, mais t'as quand même une grande plaine juste à cet endroit-là. Mais sinon, si tu choisis la plaine, bon, t'as de la place partout. C'est ici, hein, la plaine, je crois, ouais. Si tu choisis le désert, c'est le truc que j'ai pas encore exploré, t'as de la place partout. Et si tu choisis ce désert-là, t'as de la place partout. Et ensuite, je pense que le mieux, c'est faire des usines par thème. Au début, tu te mets à côté des sources de minerais. Mais après, dès que t'as les trains, t'as plus besoin. Les trains ou les camions. Mais les camions, bon, faut voir le... Mais les trains, par exemple, ici, j'amène les... Je me mets quand même à côté de certaines ressources. Je me suis mis à côté notamment de... Parce que je vais avoir besoin de cuivre. De calcaire. Là, j'ai du cuivre. En pureté normale. Ouais, ça va. De calcaire et d'eau. Non, le plus important, c'est l'eau. Faut que tu sois... Ah, même si tu peux l'amener en fluide, l'eau, je conseille quand même d'être près d'une source d'eau. Mais de la place, t'en as partout, quoi. La lampe torche, ça vous brûle les yeux, c'est trop bien. Mais après, ouais, je dirais par thème, j'avais besoin de moteurs, par exemple, je les ai produits à un endroit. Et je pense qu'en fait, après, là, je vais produire des ordinateurs. Et imagine si plus tard, j'ai besoin d'une usine où il faut des ordinateurs et des moteurs. Ben, je vais utiliser des stations de train pour les emmener, quoi. Il n'y a pas tant de ressources que ça. Enfin, de ressources. De produits manufacturés. C'est faisable et la map est vraiment immense, hein. C'est impossible de manquer de place.
Si tu manques de place, c'est que tu l'as fait exprès, quoi. Est-ce qu'on le ferait pas... au niveau du sol, pour simplifier la tâche. On change un peu, allez, hop. Bon, cette usine, elle est assez vaste, donc... Et on fera une passerelle au-dessus, au pire. Après, ouais... Ouais, bah, y en a beaucoup qui tirent des convoyeurs sur des distances énormes et tout. Je trouve que c'est pas ouf, quoi. On va se faire une ligne ici au centre. Bien faire les choses un peu propres. Débrancher. Un répartiteur, mais lequel? Bah, je trouve que le train ultra simple à faire. Les reliefs de la map sont pas problème. En fait, tu poses des... Il faut juste poser par terre des fondations. Tu poses une fondation, tu mets une pente, etc. Faut mieux le faire en hauteur pour éviter les 15 000 virages pente montée. Attends, ouais, j'attends que la pub soit finie, comme ça je te dis. De toute façon, je vais chercher ma fille après. Faut qu'on le fasse passer au-dessus du train, là, pareil. Et donc, non, ouais, pour le train, j'ai pas trouvé ça plus compliqué que ça. Pour l'instant, je laisse des répartiteurs, hein, mais ça j'arclera à terme. C'est pas vraiment pas quelque chose de... d'important.
Ok, du coup, notre quartz arrive. Ah, le quartz, on l'a pas décalé. Plus j'ai besoin que d'une ligne de quartz. Bon, c'est pas grave. Ce sera refait. Petite pub direct, pas de doute, on est chez moi. Mais du coup, ouais, non, je vais pas... pas plus galérer que ça. Après, faire en hauteur, tu peux faire en giga hauteur, mais je trouve ça... Enfin, je trouve ça moche, je sais pas. Je trouve que... On est pour vous occuper, on va se mettre dans le train. On va faire ouvrir le menu du train. Et le planning. Mettre en où? Il est déraillé ou quoi? Ah merde, c'est Quartzland, c'est pas le bon. C'est il a plus le chemin, alors que... Je vais aller chercher ma fille à l'école. On est pas pour longtemps, on est pour 10 minutes. Et comme ça, pendant ce temps, vous voyez le train et c'est joli. Modifier le planning, Nvidia Center, faut mettre en où et on est bon. Il râle ou pas? Ok, c'est parfait. Ouais, c'est pas grave, je regarderai. Voilà, comme ça, vous amusez pendant ce temps. A tout de suite! Mais sur le toit du train, non, il y aura des problèmes. Chouchou! Chouchou! Re! Bah, ça marche bien! Putain, quand t'arrives avec la gare caca en plein écran. C'est pas beau ça? Merci Labreuil! Merci Dart! Merci Cobra Texas! Merci pour les subs. Bon, bah, c'est l'heure de miam, hein. On fait tout le design des rails à la main. Oh putain, on regarde dans le train. Ah oui, oui, c'est le train de Disney, effectivement. Je mange quoi? Saumon. Petite pâte avec un peu d'aneth et du kimchi. Tu parles de quel design? Les ponts, là? Ouais, les ponts, ouais, ça c'est moi qui ai fait. C'est moi, ça donne l'impression qu'il y a du rouge quand ça tourne. Vous avez vu? C'est parce que ça frotte ou quoi? Non, c'est de l'impression avec le sable, je pense. Ouais, c'est ça. Ah ou non, en fait, c'est avec le... Ah, regardez, c'est rouge. C'est sur les rails. Les feux arrière, ils sont blancs. Mais ouais, le design, ça... Moi qui ai fait. Blueprint, et après on applique. Ça fait des jolis ponts comme ça. C'est de toute beauté. Bah merci. L'idée c'est de faire un style un peu cyberpunk comme ça. Tu dois pouvoir colorer les trains, ouais.
Alors les blueprints, en fait, tu fais le blueprint du chemin et après tu poses les rails. Tu peux pas mettre les rails dans des blueprints sinon ça marche pas, ouais. C'est bugué. Hop, là c'est bon, ça posera moins de problèmes. Mais ouais, je pense les trains, les gares, tout ça. T'as le orange de base, mais. Ouais, les pubs du Rex, mais. T'inquiète, on passe. Nous, on baise les trains, ouais. En vrai, je regarde, mais c'est smooth, hein. La largeur est pile poil ce qu'il faut, hein, regardez. Ça touche pas. Ah, peut-être là, un peu limite. Ouais, un peu limite, mais. Attends, il freine vraiment en mettant des trucs contre le vent? C'est ça que ça freine. Ah, il y en a qui jouent sans utiliser les trains. N'importe quel moyen de transport. Je ne sais pas comment vous faites. Genre, vous êtes italien. Et votre monde, c'est Spaghetti Land, quoi. Ah oui, il faudrait peut-être que je change mon design pour les trains et mettre des hypertubes en dessous. Mais bon, je verrai. Bon. Bah. J'ai absolument rien lu ici. T'as pas vu. Il faut qu'on relie juste le... De l'autre côté, là. C'est parti pour le chemin. Le chemin by Kyo. On va mettre des 2 mètres. La la la. Ouais, en vrai, pas. On sait un placement non valide. Il y a vraiment un minerai de fer ici. Juste pour me faire chier. C'est vrai qu'il y a des drones après, je crois. Hein. Donc après c'est road to drone. Ah, peut-être pas la rampe 4 mètres. Ok, le mineur est là-bas. Où est ma fondation ici? Il y en avait une. Mmh.
C'est bien d'ailleurs les drones? Ou c'est genre ultra coûteux? Pas eu tant de gens les utiliser que ça. C'est très cool. Si vous me dites tous que c'est cool et c'est facile, il y a... y a un tricks. Je veux dire l'inverse. C'est bien mais beaucoup moins fun que les trains. Ouais, ça par contre je suis d'accord. Rien ne vaut les trains. Moi, un jour, je me ferai plaisir en off et je ferai... Faut qu'on mette une demi, là. Je ferai du custom, là, sur l'apport des trucs. Là ouais j'utilise pas le zoop parce que je construis truc par truc mais sinon oui. Là on peut, là tu vois on a une belle ligne droite. Alors, on va dire là j'aurais dû monter que d'un mètre. C'est vrai qu'on peut zooper. Ça c'est bien. Ouais. Non, on va pas le mettre. Et on a une petite rampe d'un mètre pour la fin. Que je mange, que ça va finir froid sinon après. Pratique pour transporter des objets avancés de longue distance, faut juste bien gérer l'apport en carburant. Ouais. Disons que si genre tu dois transporter de, je sais pas, ici à là-bas, en train c'est un peu long quoi. Ça consomme beaucoup de carburant je pense, hein. Ouais mon béton c'est magique. Là, ça monte tout seul. C'est cool hein. Ça, c'est trop bien, ça. Faut que je fasse la même chose pour les... Ah, si, je suis au centre. Pour les poutres. En béton armé, là. Bouger ton fion toi, merci. Il me branle. Il veut faire une courbe sur lui-même. Mais... Ok, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais... Il y a eu un problème sur celle-là. Ah mais oui, celle-là elle est décalée, elle est pas droite. Ok. Non, la bestiole!
Mais ça dépend du type de carburant, ouais, quand même un peu tout. Mais je pensais qu'il serait électrique. Pas pour le coup. Je me trompe de touche à chaque fois. Ok, bon, faut juste amener de l'électricité là-bas. Après, pour le beau jeu, à tout moment, cette ligne-là sera remplacée par un petit camion. En vrai, c'est tentant, non? Mais bon, pas aujourd'hui. Des batteries pour les drones? Ah. Ouais, il m'attaque pas parce que c'est mon côté alpha, tu sais. Ça leur fait peur. Faut que je pète ce... En vrai, faudrait que je le mette sur les bordures. Ah, tu peux mettre différents types de carburant, pas uniquement des batteries, ok. Après, à voir ce qui est le mieux, quoi. Carburant est peut-être plus simple à produire. Alors, c'est parti! L'item violet, c'est ce qui est dans l'under chest. Oh, on va débarrasser les feuilles là. Du silice. Je vais péter un truc apparemment. Ouais, il faudrait que je fasse une usine à grenades à fragmentation. Hein. Ça faudra qu'on fasse. Mais bon, en attendant... Ok! Le produit du silice. Donc, faut le temps que ça buffer. C'est pour ça qu'en fait... Je sais plus qui me parlait tout à l'heure de... Ouais, mais... de faire des manifolds, bah... Tout se met pas en route direct, faut le temps que les machines démarrent. Bah, si tu construis l'usine comme ça et que tu l'alimentes au fur et à mesure... Bah ça va full buffer en fait. Ça va se remplir. Alors. Ouais, on est à 430 limestone par minute. De consommer, on en fournit 480 donc c'est ok. Il fait juste le calcul mais... Ouais, c'est ça. Il en fournit 480, donc ouais, c'est bon. On a du rab. Ouais, alors. Si ce que tu construisais cassé quand tu balançais des grenades, ce serait un peu triste, hein. En même temps, ce serait rigolo pour les parties multijoueurs.
Il pourrait faire des menaces. Ah, niveau électrique, on a de la marge, hein. On a beaucoup de marge. De toute façon, il y aura le nucléaire sur le tir d'après, je crois. Une fois qu'on a terminé la phase 3. C'est vrai que sur Factorio, quand tu mets des bombes, ça pète tout. Si, sur Dyson, je crois que c'est pareil. J'ai pas testé la géothermie. Que je peux le faire. J'ai toujours pas fait ça. Je suis un bolos. Il me faut quoi? Il me faut juste les trucs. Ah, faut que je refabrique des machins là. Oh, parce qu'on a ce qu'il faut. Ok. Ouais, non, la géothermie, j'ai pas encore. Hein. Ouais, c'est plus tard. Oui, je l'ai débloqué, l'accélérateur extraterrestre, ça fournit plus de power. Bon, si vous voulez, on va fabriquer les... Allez, go. On va le faire. Ah, géothermie, c'est dans le MAM. Je l'ai pas débloqué, alors ce serait dans quoi? C'est pas qu'Atherium. Ah bah si, c'est là. Geyser pur. Ah ouais, ça fait quand même 200 MW de base. Mais c'est pas constant, ok. Attendez, est-ce qu'on avait des... Ah bah ouais, mais aussi, moi. Je troll, là. Ça se positionne n'importe où, cette merde. C'est big, hein. Mettre plus de sloop. En fait, ça exploite le sloop. Après, ça consomme 10 de sloop, mais bon. Ça fait 500 mégas, puis ça améliore de 10%. C'est pas mal, quand même. Hein. Ça a l'air dangereux. Le bruit des araignées, là. Je sais pas d'où elles sont. Mais tu peux mettre plus de summer sloop? Non. Non, non, c'est vraiment que ça. Oui, tu peux. Il y a une input. Tout ça. Là. Mais tu le récupères ou pas après? Alors là, ah ok, si je le démantèle, j'en garde 10. Et semble-t-il capable d'extraire de l'électricité de Summer Sloop en les bombardant d'énergie. Bah, j'ai fini les recherches du Summer Sloop.
Dans le MAM, il y a un autre truc? Pas tout débloqué, bien vu, bien vu. Non, c'est bizarre. Hein. Ok, c'est ça. Potential for harnessing alien energy completed. Fixit has identified two development tracks requiring additional research to integrate Summersloop safely and efficiently into Fixit technology. The loop organ contains scripture, contains instruments to compose symphonies of root and rot and recycling. Shrines to evolution and revolution. I see. It seems we truly après, il faut des cellules de singularité, donc... Faudrait que je finisse de débloquer ça. Hein. Donc, faut quoi, du fil, du moteur et des connecteurs. Je crois que je les ai en plus. Vraiment. On va les garder sur nous. J'ai toujours pas de polymères, on aurait pu finir. Ça, c'est pas pour maintenant. Et voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. When life gives you deadly geothermal vents, run directly towards them and build generators. Il y a tout ça là. Potentially lethal natural phenomena. Une obélisque nucléaire. It's the fix-it way. Ça a l'air pas mal ça. Ouais, pareil. Ah, oh, pour avoir le carburant ionisé. Ouais, mais il me faut des petites bonbonnes là. Mais c'est pour ça qu'il faut que je garde des disques. Faudra que je fasse ça. Mais bon, problème pour l'instant. Je sais plus si je fous pas. Ça a des conséquences, ça fait quoi? Oh, rien de grave. Ok, bon, bah on verra plus tard la cellule de 5. Mais au moins là on a un peu plus de jus. Au moins c'est fait. Radioactivité sur la zone, et elle s'en va ou pas? Ah, pendant un moment. C'est le truc civilisation, ça. C'est beau de nuit, hein. En vrai, tu peux mettre un truc hazmat, non? Ah, y a pas de mode pour l'instant. Merci, Darknail. Plus de pub. Grâce au Prime. Faites-vous plaisir. Ouais, j'avais jamais vu qu'il y avait des belles routes qui s'étaient designées en fait. Hein. Bah là, il y en avait une, mais on l'a coupée. On fait le tour. On a construit notre usine comme un gros sac dessus. Bon, du coup, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on s'occupe du copper. On va faire un module copper. Le copper, il est où? Il est juste là. Hein. On a un normal. Ouais, on va utiliser celui-ci. Donc il est à l'opposé, il est là-bas. Donc on va refaire un... Putain, cette usine va être big. Hein. Ça va être un gros center. On va essayer de partir de là pour garder les alignements. C'est important. Le copper. Juste à notre droite. Ici. Juste à notre gauche. Ici. Map incroyable, sur la main t'as pas autant de minerais. T'as autant de minerais. Toutes les maps sont identiques. Donc tu as autant de minerais. Oh, on va la faire sur la partie basse. Ah, Toxin Tech.
va, Imhotep. Oh, les zones de spawn sont différentes, mais tu peux te balader, enfin... Genre, moi, j'ai spawn ici. Le hop. Il y a un point de spawn qui est là. Il y a un point de spawn qui est là. Et il y a un point de spawn qui est là. Tu vois que j'ai tout exploré. Il suffit juste de se balader. Alors, on va avoir besoin... 15 smelters suivis de 20 raffineries. Bordel de merde. En vrai, j'ai peut-être envie de le faire un peu... Un peu à part. On va voir. Bon, après, on peut amener l'eau, hein. Là, on a une grande zone devant nous pour le faire. Mais il faut le faire, ouais, un cran plus haut, parce que... Sinon, on va avoir tous les arbres qui vont venir polluer. Quoique... Au pire, il y a quelques rochers, c'est sympa. On va voir. Qu'est-ce que ça donne? Un big truc comme ça là. Oh, des cailloux! Plus de cailloux! Oh, ça va, ça clean. On peut les... Ah, ceux-là, non? Ah si, ça les casse en plus! Oh bah, c'est bon, alors. Trop long à recharger. Let's go. J'ai pas cherché tous les summers. Bah en vrai les sloops quand je fais à la mano je les utilise, mais sinon je les mets pas dans les machines. Je double les machines. À part vraiment pour les trucs très avancés mais... On va voir genre craft ces trucs. J'ai pas trouvé de filon de souffle. Peut-être le ramasser celui-là, non? Ok. On a agrandi l'usine. Le truc c'est que 20 raffineries, ça prend de la place hein. En quelle place les raffineries? C'est le moment d'aller chercher les ressources d'ailleurs. Ah. Raffinerie. C'est big, je crois. Oh fuck. C'est pour faire du copper shit. Attendez, par rapport à la map. Où est-ce que j'ai encore de la place? Parce que là, c'est bien gentil, on produit le début. Ouais, les raffineries, elles ont besoin de l'eau, hein, donc je peux peut-être construire les raffineries dans ce coin-là, là. Et ensuite, ouais, mais on finit les modules où? Là, j'ai besoin que de 15 smelters. C'est pas tant que ça, en soi. Non, on fait les raffineries ici, hein. On a vraiment l'espace ici pour les raffineries, je pense.
Bon, faut voir, on fait 5 x 4 ou 4 x 5. 4 x 5, c'est pas mal. Voyons voir. Qu'elle va être big cette usine. Et ceci dit, si on les aligne, c'est déjà fait tout noir comme ça. Succès ne fonctionne pas si on recommence pas à zéro comme l'ascenseur. Aucune idée. 3, 4, 5. Oh non! Pourquoi il me l'a mis en l'air? Parce qu'il y a un caillou là? Oh non, me dites pas que le caillou, on peut pas le péter. Plus de cailloux. Oh ouais, ouais, je vais peut-être faire sur la longueur là. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on a la place en se décalant par là? Ouais. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ok, il refaut des moteurs. On cherchait nos moteurs. J'ai peut-être pas pris la recette la plus économe. Pour les coups. Le truc, c'est que j'en ai besoin beaucoup de. En français. Alors, j'ai besoin de... Voyons voir. Je vais calculer, c'était... 452 copper sheet par minute. Beaucoup. Ouais, sinon, on aurait eu besoin de 45 constructeurs. Ah, c'est peut-être mieux que 20 raffineries, non? Le problème, c'est que là... Il m'aurait fallu... Ah ouais, non, mais il faut le double de haut fourneau. Donc non, ça en consomme 2. Donc non, 40. Par contre, il faut une quantité. Là, c'est 2 pour 1. Là, c'est 3 pour 3. Donc il m'aurait fallu 900 copper par seconde. Par minute. Allez, go, go raffinerie. On raffine, on raffine. Poser quelques plaques, ça c'est pareil. Ouais, je me sers du production plan, c'est Satisfactory Tools que dont je me sers. Après c'est bien, c'est big les factories, on aime quand c'est big. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on peut en caler une 9e ou... Oui. 9. La 10e, on va la mettre de l'autre côté parce qu'on arrive sur la butte. Ah oh, putain, merde, c'est 20,089. Bon, on va en booster une, hein. Le 0,89, ça va 2 secondes, quoi.
Ouais, fer plus cuivre égale lingot de cuivre, mais bon, ça change pas que... Faut une grosse prod, quoi. Ok! Attendez, il y a encore de l'herbe là, qui dépasse de mes fondations. C'est bon. Wouh! Bon, alors ça, il faut leur fournir des copper ingots qu'on aura smelté d'abord. Et de l'eau. Il faut un endroit où on cuit le copper. Où est mon... Ok, il est juste là. Ok, le copper est là. Donc en soi, on peut se mettre derrière. Il faut combien? 15 smelters, ça prend pas beaucoup de place. Bah ouais, je sais même pas pourquoi j'agrandis autant, je pense que ça c'est suffisant. On va pouvoir amener le copper peut-être. Va falloir que je refasse des nobélisques en masse, hein, en masse parce que... Ça va pas tout ça là. J'arrive pas à les ramasser, ils sont dans les fondations. La finalité c'est pour faire une usine à ordi. Il produit 20 ordi par minute. Plus des cartes graphiques Nvidia haute performance, plus... plus des trucs chat GPT. La totale quoi. Ok c'est bon, on a l'air d'avoir... déblayé. Aurais-je vu une petite... non, c'est bon. Ok, donc il me faut 15 smelters. Je pense qu'on peut les faire en ligne droite. Hein. Où le milieu? 1, 2, 3, 4, 5. C'est là. Sept d'un côté, sept de l'autre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ouais, c'est 15067. Ok, faut tout configurer. En gros, ça en produit combien? 30. Il m'en faut 2 de plus. Donc, faut mettre un à 32, je pense. Non, 32. Il me faut 452, c'est ça. Hein, 15 fois 30. 450. 2, c'est bon. On est good. Oh, la bonne direction, su. Et ici, on produit ça. Et du coup, pareil, il en faut un. Il m'en faut un 2 de plus. 24,5. Ah. Petit boost. Enfin, tu me diras, on peut produire plus de... Les foutre à... On peut en foutre un à 150 et l'autre aussi à 150. Hein.
passe après. Ceci dit, attendez, il est à 200... Ouais, non, il est à 150, donc c'est bon. Alors... Oh, on va les faire sortir devant. Hein. Je te dis, c'est plus simple à faire comme ça. Non, on va les faire sortir devant. Zubardi! Je déteste parce que tu sautes. Pourquoi il veut pas se... Okay. Et ça bouge au dernier moment. Bordel de merde! Tu es arrivé à 157 que je dois séparer en deux sorties. Pourquoi tu le fais pas T'isole pas, c'est ce que je fais moi et c'est plus simple sur les sorties des... Après, est-ce qu'on peut le faire avec des répartiteurs intelligents ça? Merci Broky. On peut se mettre là, là. Programmable, oui, tu peux mettre le taux. Le taux de sortie. Si tu peux le mettre, c'est trop bien ça en vrai. Oui, ah oh, trop bien. Ok, bah faudra que j'en fasse ça. Oui, non, attendez. Ah, il manque des contrôleurs d'IA. Faut pas vous dire. Non. Non, pas du tout. Putain, c'était une info de chat. Coup dur. Ouais, seulement l'overflow. Vous voyez, ça, c'est dommage. C'est là que je trouve le jeu manque un petit peu de logistique avancée. Si on avait un peu plus de logistique avancée, on pourrait faire des trucs de malade. Factorio permet ça. Bon, alors notre mineur est juste là, donc il va arriver ici. Bon, plutôt bien. Au revoir les noix de coco. Ah! Oh, sérieusement? Non. On en est là. Ouais, il existe des modes pour Satisfactory, sauf que là, ils ont sorti la 1.0, donc c'est pas pour tout de suite, possibilité de mettre des modes. Ouais, si tu prends un splitter et merge... En fait, le problème, c'est ça, si tu prends un splitter et un mergeur, et tu peux faire un tiers, deux tiers, mais tu peux pas faire de trucs précis.
C'est le truc que je trouve un peu dommage. On va faire sortir comme ça en bière. Des fois c'est bizarre dans ce qu'il veut faire et ce qu'il veut pas faire. Ok, petite poteau en sortie d'usine là, hop. À vrai dire, on pourra même... qu'on ait la place là. Faut que je sorte combien de 452 de copper. Ah. Anticiper ça, moi. On aille chercher l'autre. J'ai compris maintenant pourquoi je fais les trucs de cuivre comme ça. Ok, l'autre est là. Ok, on peut le faire venir directement derrière. Mais ouais, on pourrait faire un truc encore plus incroyable, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il était pas très loin d'ici, je crois. Ouais, il est là-bas en face. Ah, sur eux, on peut construire. C'est pas ça. Ça va tirer de l'énergie quand même, ces merdes. Quand qu'elle est parallèle. Là, c'est bon. Merde, j'ai pas fait deux. Si. What? Et quand il me pose des problèmes. Entre 1, 2. Ok, c'est parce qu'il était pas vraiment droit. Maintenant il l'est. Faire tout péter au obélisque ici, hein. Ouais,
Hop, petite fusion. Oh putain, je sais pas si on peut le faire ici. Voyons voir. On peut les hache ça? Oh. Mais c'est parfait cette histoire. Nobelisque time. Enlever le plus gros, hein. Économisons quelques nobelisques. Trop de feuilles dans le désert. Hein. Ah, qu'est-ce qui est incliné sur la fin, le... Ah bah là, de toute façon, on peut péter ça. Le tapis roulant ou... Ça, c'est normal. Dommage, il faudrait qu'il rajoute un truc aussi pour pouvoir récolter tout ce qui est végétaux et tout. Genre des tracteurs. Type agriculture, quoi. Je pense que ça serait cool. Bon, il y a bien des mods qui devaient faire ça, je pense. Végéto, le Super Saiyan. Le fameux. Ah, c'est vrai que je m'en... Je l'ai toujours ou pas? C'est le plus simple, ça. Ouais, mais tu vois, tu peux pas automatiser, quoi. C'est ça le problème, je trouve, de la tronçon. Enfin, c'est bien la tronçon au début, mais... Là, j'aimerais un truc pour pouvoir automatiser... Bon, elle est vendue. Ok, maintenant, faut qu'on fasse des bons... Truc de jus... Youhou. Ok, ça s'est connecté. Un petit lance-flamme. Des modes d'agriculture avec des parcelles de terre et des plantations. Ah ouais. Ouais, on peut pas replanter d'arbres aussi, tu vois, ça c'est quelque chose qui est dommage. C'est bien de déforester, mais de temps en temps tu voudrais, tu vois, refaire... Petite mise à jour végétaux là. Et la MK3, j'ai plus beaucoup de connecteurs. Bon, après, cette usine va en produire donc. Ça en alimente combien? 10. Je peux faire 1, 2, 3, 4. On va en mettre. Ici. Un, deux, trois, quatre.
Un peu loin ça, monsieur. On va se mettre avec un poteau MK1 là. Ok, pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par 4 plus 4. On va relier directement derrière. Est-ce que... Elle est où la ligne là? Ouais. Ah, il est déjà à 10 sur 10 lui. Contre lui, il est pas. Parfait. On va le relier là. On est là qu'il va pouvoir suivre. Oh, large! On a combien sur ce réseau? On va regarder après, mais oh, plus que large. Faut pas déconner quand même. Une production nucléaire. Enfin, presque. Vivant la production nucléaire. Ok. Ah, tu peux les brancher l'un sur l'autre. Non, je sais pas, cette usine... combien de puissance elle fait en tout? Power. 2 gigawatts. Une fois qu'on l'aura fini, c'est 2 gigawatts. Tout ça pour faire des PC. Bon, on est à 10 sur 10 sur lui. On va faire une petite liaison là-haut là. Vous savez quoi? Parfait. Ok, alors maintenant, ça, faut définir tout sur... Hop, ça. Après, il va falloir amener l'eau. On aura fait le plus dur. Il faut tellement de PC en plus. Ah oui, je me doute. Mais 20 PC par minute, c'est pas mal. Après, à tout moment, on met des summer sloops sur les sorties, on est à 40 PC par minute. Hein. Après, on refera une gigafactory, au pire. Mais je pense que 20 PC par minute, c'est... C'est déjà un bon début. Hein. Ça... Oh non, pardon! Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ça fait 30 PC par minute. Donc on pourra, là, on pourra avec des Summer Sloop, on pourra en faire un PC par seconde. Je pense qu'on est bien. Ça fait aussi 20 High Speed Connector par minute, 20 Circuit Board par minute et 20 High Limiter par minute. Voilà. Alors attendez, ça cuit au fait ici ou pas? Oui, ça a l'air. Ok, la sortie est là. On va faire l'input.
si c'est mieux mieux. Ok, alors là ça va être un poil chiant mais... On va mettre... Par contre ça a besoin de combien d'eau? Ok, c'est 600 les gros. Amen. Attendez, mais je fais des répartiteurs intelligents depuis tout à l'heure ou je suis trop con? Non, c'est les groupeurs. Ok, ça va. J'aurais pu faire une façon de la faire symétrique ou de choisir son entrée. C'est le joueur de Factorio qui parle en moi. Ok, on monte. Fait trop et les endroits où j'ai pas fait assez haut. Ensuite, on va se mettre peut-être manger, merci. J'ai mis des répartiteurs intelligents, vous eux. C'est juste qu'ils sont chromés, j'ai l'impression. Ah, ça veut pas coller. Je mets des MK1, ça va pas. Mais putain! Produit 14, je sais plus combien de gigawatts. Arrondissons à 15, vous avez bien vu. Olé. Il y a 3,6 gigawatts de charbon, 10 gigawatts de pétrole là, en essence. Et le restant c'est avec le boost alien là. On va mettre un petit décalage quand même. Peu importe le sens, ça n'a pas d'importance. Ah.
Ok, donc c'est bon. Pourquoi ça se remplit pas? Ce beans encore. Pas mis dans le bon sens ce machin. Pourquoi ça se remplit pas? Vous me dites pas que il est pas connecté. Attendez. Pas un bon que j'ai mis? Les a connectés chez certains, mais pas chez tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que ce merde. Ça les connecte pas. T'as un câble là! Ah non, ils sont... J'ai lié le... ça devrait pas poser problème, là. Bah, le splitter est aligné, hein. Attendez, est-ce que c'est tous ceux de gauche que ça marche pas? Là il en a un. Ok, tu vois, eux marchent. On va refaire le début. L'ex est branché. On va refaire E. Que là, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Tu vois, tous les autres marchent. Cliquer trop vite. Ah! C'est parce que j'avais mis des MK1 que j'ai transformé en MK. Je sais pas. Eh, regardez, ils ont pas l'air de s'aligner, regardez. C'est parce que. Non, en plus, je suis même pas parti du haut. Et là, on a l'air... Ouais, mais là, ils sont pas alignés en bas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est à cause des petites herbacées, là?
Ah, les raffineries sont légèrement décalées, bien vu. Ah, à cause de ça, putain. Bien vu, bien vu. C'était subtil. Ok, c'est bon. Le jeu a toujours raison. Ouais! Mais c'est frustrant des fois. Là, je regarde juste dans les alignements. S'il y a que les flèches vertes, c'est qu'on est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, l'eau! Allô? Alors, l'eau, on l'amène par où? Bah, par là, par devant. Pas vers. Ouais, vers... depuis là-bas, hein, c'est sûr. Quoi déjà? Non, c'est dans 6. Ça va être un bonheur de la tirer l'eau. Naviguer là-dedans. Ah, je suis coincé. On ira ça à la fin. En vrai, non, faut le faire derrière nous. Hop. Ah oui, on peut passer par là. Centrale par tuer NK2, non, parce que là c'est sur ça, non, c'est 452 de flotte. Ah oui, non, tu veux dire 13 centrales. Ah oh, bah j'ai juste besoin de sortir 452 par minute, j'ai juste besoin de compter ça. Hein. On va se baser sur ce calcul là. Juste pas que j'oublie de. De raffinerie, mais on va le voir sur le chemin retour. J'ai oublié un tuyau, voilà. Là. C'est pour voir si vous suiviez, bien, bien joué à vous. Ok. Ouh. Bon, maintenant faut qu'on fasse notre pipeline. Bah c'est tout droit. Hein. J'en ai oublié un autre aussi. Non, je pense que c'est le cauchemar de Mario. Celui d'avant. Ici on aurait pu faire une ligne droite et le tuer en dessous. Hein. Bon alors, il nous faut 400... C'est combien une pompe? Production 120. Bon, faut 4.
Ah oui, c'est vrai que c'est chiant, on peut pas construire dans l'eau. Allô, les lags? Attendez. Hop. 300 avec des éclats. Ouais, mais on met pas d'éclats. Vous jouez depuis 4 heures, c'est pas vrai. Ah ouais, alors ça c'est toujours un pur plaisir cette histoire. De trouver pile la bonne hauteur pour mettre la fondation dans l'eau. Vraiment, tu vas m'emmerder avec ça. Au print. Là on est bon? Oui! Oh! Regardez ce qu'on voit là-bas! Putain, mais je l'avais raté celui-là vraiment! First, there was a whole involved process of evolution from single-celled organisms to mammals, rodents specifically. And that's not even explaining the whole dinosaur extinction meteor making room for mammals to dominate the animal kingdom instead. Multiple explosions. You know what? I will just compile a data package for you to look at later, because I don't even know where to start with the whole big thing. Harmonious explosion. De quoi elle parle? Elle est full drogue encore. Ça serait marrant de les faire. On doit en faire combien? 4? Une. Deux. Trois. Ah. Ah, c'est le moment où si on veut faire un cercle, les problèmes quoi. Eh, hey, David Goudenouf, hein? Par contre, comment je fais sortir mon... C'est con, hein. Mmh.
Oui, le timing explosion était parfait, hein, je crois. Que j'ai entendu. First, there was a whole involved process of evolution from single-celled organisms to mammals, rodents specifically. Une explosion, ouais. C'était beau, c'était beau. Alors attendez. Du coup, on doit faire... Ouais, on doit faire sortir l'eau par là-bas. Sauf qu'on peut pas. C'est celle-là qui est trop proche, je crois. On fait comme ça, on va s'en sortir. Le pipeline bancal. En vrai, ouais, faudrait. Limite qu'on fasse une ligne droite comme ça, ouais, ça serait pas mal là. Juste un petit peu sous l'eau. Oh, parfait! Ouais, ils sont pas. En fait, c'est celui-là qui va pas. Faut que j'en fasse celui-là. Celui-là doit être plus loin, tu vois. Ouais, comme ça. Ah oui, ou toujours plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, à part là, ça fait un petit chipolata, mais... Nyon, belle ligne droite. C'est l'heure de la petite pente. On fait passer le pipeline ouais, sans fondation, hein. On bat les couilles. Hein. Faudrait que je fasse un trou là. Il veut pas? Ah, c'est sur les murs! Faut mettre un mur? Ok, voyons voir. Ah ouais. Pas mal ça. Pourquoi les trains c'est pas en phase 2? Mais tu as les petits rovers! C'est trop bien les petits rovers là! Fais plaisir avec un petit rover.
Après, t'as du charbon pas très loin, je crois, quand t'es dans les plaines, non? C'est pas le mur 4 mètres qu'il me faut, c'est le mur. Attends, comment ça, y a rien entre le mur 4 mètres et qu'est-ce que cette merde? Ah, y a rien! Savais pas qu'il y avait pas de mur. Bon, bref. Le seul problème avec tout ça, c'est que. Comment je relie mes pipelines? C'est bien beau de mettre des trous dans les murs. Il est où le trou de l'autre côté? Il est au milieu du mur. Voilà. Il faut que j'aille en dessous. Frérot. Ok, let's go. Je rigolais parce qu'à un moment, je regardais des gens qui disent qui jouaient sans jamais faire de clipping et je suis en mode mais vous êtes fous? On verra plus tard pour faire un tuyau joli correct, hein. Elles sont où, mais elles sont de l'autre côté là-bas, hein, je crois. Glipping, c'est quand ça affiche du jaune, c'est quand des objets se touchent. Mais ça fait partie du jeu, le clipping. C'est un succès caché, only blue. Non mais... Et il faut quoi? Faut battre le jeu sans faire aucun clipping? Ça existe vraiment? C'est pour les gens qui ont un problème au niveau de la tête, hein. Pas se mentir, hein. Ok, la descente finale. Non, c'est une blague. En vrai, ça pourrait être marrant à faire. Ouais, tu fais un énorme parking en l'air et aucune déco, tu vois, c'est un peu nul. Ok, bon, alors on a l'air bon là-dessus. Maintenant, faut alimenter mes pompes à eau. Enfin, il paraît que d'ailleurs, by the way. Après, je suis pas à 600 de. Mais on va le faire quand même. Il y a un souci avec les tuyaux MK2, un bug connu. Qui est que. Il y a des problèmes avec le liquide, la façon dont il s'écoule. Et pour solutionner le problème, ce problème-là. Faut faire ça à la fin. J'ai pu le faire là-dessus. Pardon. Peut-être dû le faire dans l'autre sens, ça. Ah, quoi que non, ça va toucher au-dessus. Faut faire ça. Ah, faut pas que ça finisse sur une impasse. C'est ça le customiseur de l'eau? Je sais pas parce que. Il fait nuit là. Bah non, pas logique, ça devrait pas avoir de problème. Y a pas de problème avec les MK1, c'est que les MK2. Ah mais un coup vous voulez que je l'allume, un coup vous voulez que je l'éteigne, moi je sais plus, hein. Oups.
C'est quoi qui tourne encore? C'est... C'est là-bas. Je sais pas, c'est bizarre, on entend quelque chose qui fonctionne. Mais j'en ai coloré plusieurs d'usines, non? Des usines tournées, ça me stresse. Ok. Je sais plus ce que j'ai coloré. Ah, c'est celui-ci. Genre, j'entends des usines tournées, alors que mes... C'est peut-être les mineurs que j'entends. C'est le convoyeur vertical qui fait du bruit? Non, je veux pas customiser tous les tuyaux parce que j'ai certains tuyaux qui ont d'autres couleurs. Ah, que j'avais coloré, oui. Ah, c'est ça! C'est ça qui fait du bruit, ok. C'est très léger, mais ça fait du bruit. Mais... Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, il slide, regardez, regardez-moi, c'est un slider. Un swatch automatique uniquement au nouveau pipe? Ok, d'accord, donc je regarde. C'est parti pour les pompes à eau. On peut le peindre en bleu lui aussi, ah, j'aimerais bien mais je crois pas, non. Non. Mais putain, c'est un endroit de spawn ici, quel enfer. Cassez-vous, il y a des machines. Bah voilà, ça va pomper. Après, il y a du tracé, mais bon, normalement ça va assez vite. Faut que ça remplisse les tuyaux. Chaque tuyau a un volume. Regardez, y a pas d'eau encore ici. Bon, y a autant de longueur, c'est un peu long. Pour le bien-être de tes yeux, il y a plein d'options. Pour configurer la TH, pourquoi il y a beaucoup de trucs affichés sur la TH? Les trucs en bas à droite que j'utilise pas? Attends, c'est dans quoi? Bois, je vois pas. C'est où? Don't you know, pump it up. C'est quoi ça d'ailleurs, illumination globale? Change quelque chose? Il y a plus de brouillard, non?
Masquer les raccourcis clavier. Ah, mais je les oublie. Ouais, le sabre laser brille plus, hein. Ah ouais, c'est peut-être mieux. Ah ouais. Affiche uniquement les ressources manquantes. Ok, alors attends. C'est où? Interface utilisateur, c'est où? ATH. C'est où vous voyez ça? Ouais, c'est tout. Mais maintenant j'ai un giga sabre laser. Bon, ça marche, hein? Eh, ça marche, hein, y a de la flotte, hein. Par contre, c'est moi ou c'est plus brumeux? Ah non, non, on va remettre comme c'était. Ah, c'est mieux. Bon, on a fait notre toll, il nous reste plus grand chose. Ah si, il y a un train pour ramener le rubber qu'il faut. Chouchou. Sinon, on n'a pas... Attends, comment on peut faire du rubber? Attendez. Je crois que c'est que... Je crois que c'est que avec du pétrole, hein. Après, c'est chiant parce que ça produit de l'essence, on s'en bat les couilles. Non, bah, on va le ramener avec des trains. Il nous faut une troisième gare. Après, on a déjà tiré une partie. Au pire, je me fais pas chier. Pour l'instant, je tire un train à l'arrache. Là, on a le quick wire, on a les copper sheet, on a le silice. Donc à partir de ça, on peut faire circuit board. C'est juste pour faire les computers qu'on a besoin du rubber. On peut déjà faire le reste. Je vais me chercher un Oli, je reviens.